il a fait. Hein? Il a dit que tu m'as bloqué. On peut la faire. Je t'ai d'abord appelé, tu as bloqué là-bas, tu as calé, tu as fait. Non, comment le Ok. Patrick Mboma, vous êtes en train de partir au Cameroun pour le match contre l'île Maurice le samedi. Alors, un petit mot d'abord sur la sélection qui a été faite. La sélection a été faite par les techniciens. Je pense qu'ils ont l'intention de remporter les 3 points et j'espère de façon grandiose. Hein. Il faut marquer des buts et beaucoup de buts contre l'île Maurice. Il faut d'abord gagner, chaque jour en son temps. Et puis, je pense que la liste élargie permettra de ressortir un bon groupe et surtout un bon entrant pour ce week-end. Ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'attaquants cette fois-ci. Ça m'a l'air d'être une logique sportive en ce sens où quand on marque 3 buts en île Maurice, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de buts à Yaoundé. Néanmoins, on ne va pas jouer avec 9 attaquants, donc il va falloir avoir une belle équilibrée. Mais j'espère que l'objet offensif sera mis en place. Sur un plan plus personnel, vous participez à l'émission de télé-réalité de sur le foot AFDT en Guinée équatoriale. Comment ça se passe en ce moment? Je dirais que les choses évoluent assez normalement. Je dirais qu'on est sur le continent africain, donc on peut s'attendre logiquement à certaines difficultés, mais on le voit, les émissions sont délivrées, les jeunes sont motivés et les équipes sont motivées pour mener à bien ce projet qui est vraiment un projet très très intéressant. Vous avez vu là-bas de futurs Patrick Mboma? J'ai vu de futurs bons joueurs, voire très bons joueurs. Merci beaucoup et bon voyage. Merci.